Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 3 de City Skyline. Alors, donc, la dernière fois on avait mis en place les commerces. Donc on avait un peu avancé, là c'est l'organisation de la ville. Alors on avait fait un petit quartier d'habitation, on a mis des universités etc. là. Voilà. Bon, par contre, ce qu'il y a, c'est que ça, on manque d'ouvriers. Dans ce cas-là, pourquoi il me demande de faire construire des zones? Ça sert à rien qu'il y ait autant. Après, les zones sont prêtes, ils pourront reconstruire automatiquement d'eux-mêmes. Voilà. Donc alors, déjà on a ce petit quartier qui est déjà pris. Voilà. Donc on va se mettre des petits appartements juste là. Pas mal en bord de route. Voilà, donc ils demandent de la population, mais ils veulent pas construire. Apparemment, les immeubles, ça leur intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire construire? Ok, donc là on est bon niveau électricité. Bon, on n'est pas assez au niveau de la population, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon. Tac. Voilà, donc là on a des petites routes comme ça. Faut pas toujours avoir droit, donc là c'est parce que j'ai fait un petit quartier, voilà. Mais sinon là, vu qu'on peut pas vraiment faire d'habitation tour, vu qu'on là on a une université technologie moderne, un institut. Là on a l'institut des arts créatifs, un énorme parc pour la zone, une école alternative et juste là une école encore alternative. Voilà, donc on met juste quelques petits immeubles. On met ça et là on va surtout miser pour mettre à la rigueur un ou deux immeubles là et quelques décos. Ça va être en fait, c'est ce que je compte faire. Résidence, résidence, la zone de résidence plutôt. Une zone là on veut mettre des bâtiments municipaux, etc. avec un parc et des routes en décoration, etc. La résidence, résidence, résidence aussi. Déjà on aura cette partie de plaine. Ce qui est très important aussi, voilà, c'est que l'autoroute, eh ben, elle est de l'isolation parce que. Si on veut rajouter ici des choses pour pas qu'on soit embêté avec les bruits de l'autoroute, parce qu'il y a une pollution sonore aussi, il me semble. Ouais, ça c'est sûr, certains, une pollution sonore. Voilà, donc là au niveau des neiges, comme vous pouvez le voir, de la neige on gère plutôt bien. Voilà, pollution sonore. On a énormément de bruit. La pollution sonore, là vous voyez, il y a énormément de pollution sonore. Là, bon, c'est atténué, pas entièrement, mais c'est atténué. Là, voilà, bah là, forcément, l'aéroport, hein, voilà. Là, ça va encore, là, on a un petit peu plus de monde. Donc, ça, c'est vraiment utile parce que là, on se bat. Ça, c'est normal, c'est la zone. C'est la zone normale quoi. Là on a du bruit parce qu'on a les arrêts, voilà, on a les véhicules, ils font du bruit normal. Là c'est rouge écarlate normal, c'est les ports de marchandises et de touristes. Donc bon, mais je comprends pas, ils demandent ça et... Donc voilà, donc bon, là on va vraiment se dépêcher de faire un petit peu des quartiers parce que... Voilà, donc bon.
Voilà, donc bon, on va faire un petit peu des trucs décoratifs pour changer un petit peu. Voilà, donc on va mettre des immeubles. Là, c'est un petit quartier d'immeubles. J'ai décidé que ça allait être un petit quartier d'immeubles. Voilà, maison là, tac. Hop. Non, ici on va rien mettre parce qu'on va mettre un parc au milieu. Juste là. Hop. Voilà. Là, on va mettre un parc. Oula, oui, non. Ouais, voilà, donc on a un rayon de ça. Ah, mais ça, c'est un mode que j'ai installé. Là on a tout ce qui est monument et tout, donc on fera un coin avec avec ça, etc. Après, des grands trucs et tout. Voilà, voilà, par exemple on a la tour du transport, on a un grand centre commercial, trésor public, poumon de la ville, bureau colossal, enfin voilà, on a pas mal de trucs, mais ça j'avais prévu le mettre plutôt dans la partie de la grande ville. Voilà, donc là l'arrière-grand pourra mettre un ou deux petits, voilà, par exemple la petite place là, pourquoi pas. Mais ici j'avais pensé de mettre genre voilà, centre des expositions, tour du grand intérêt, jardin. Voilà, etc. Enfin, voilà. Donc là, on a dit qu'il fallait mettre une petite école. Ouais, ça va encore, mais... On va plutôt la mettre là, en vrai. Parce que là, on peut garder de la place, alors. Université, c'est bon. Collège. On en cale un là. Voilà, donc là c'est en train de... Bah là on peut du coup rajouter une zone d'habitat. Ouais, c'est bon, c'est déjà fait. Voilà. Alors. Tout ce qui est quai. Voilà. Voilà, normalement, ça c'est réglé. Le problème de niveau d'eau. Voilà, bon, donc là, on a un petit problème. Bah non, bah on va même pouvoir enlever ce truc qui est littéralement moche. Voilà. Parce qu'en fait tout arrive par là. Oh, on avait oublié, mais oui, on a rajouté ça, sauf qu'il n'y a pas d'énergie. Que ça va. Ok. Normal, ils sont pas instruits, hein. Mais au fur et à mesure.
Un dépôt de bus. Mais oui, fallait qu'on fasse nos voies de bus. Cleaning. Donc un arrêt là. Un arrêt là. Un arrêt juste là. Un arrêt là. Un arrêt là. Juste là. Ah, monsieur Hugo, je suis en règle, hein, au cas où. Non, t'as pas besoin de te mute, mais c'est juste pour prévenir au cas où, pour pas que tu utilises des dingueries, parce que voilà. Donc juste un arrêt de bus là. Ouais, je pense que là là c'est bien. Ah oui, vous êtes en manque d'employés là, mais bon. Ça passe trop vite là, déjà 11 minutes. Oh là, la vidéo elle sera courte là aujourd'hui parce que un petit peu rattrapé par le temps, j'ai encore des choses à faire. Alors pas mal de retard là en ce moment cette semaine, hein. J'ai pas mal de retard. Alors pourquoi là le niveau d'eau il est. Risque même d'inonder. Parce que ça m'est déjà arrivé que l'eau elle soit montée sur la route et qu'elle ait inondé. Et qu'il y ait eu des morts de ma faute. Alors on va éviter. Maintenant on va construire ce petit quartier. Voilà, donc bon. Là, on a pas mal de trucs. Tac, tac, tac. Paf! Voilà, est-ce que ça va construire? Normalement, oui, hein, vu que c'est demandé. Là, par exemple. Ah là là! Ah là 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 là! École alternative. Voilà. Oh là là, mais messieurs, vous manquez d'électricité, dites donc. Ah, au cas où je suis en vidéo pour pas dire de dinguerie comme vous faites tout le temps. Non, tu me connais. Alors, tac, photo, tac. Et ouais, là, les vidéos elles sont un petit peu plus courtes. Bah, non, pas vraiment, parce que j'en ai fait de 30 minutes là. Mais c'est pas au jour d'habitude et aux horaires d'habitude à peu près. Parce que là, en ce moment, c'est pas top top. J'ai pas trop le temps. Donc, c'est pour ça, les vacances ça fera du bien. On pourra faire plus de vidéos. Et j'aurai plus le temps pour essayer, pourquoi pas, de faire du montage vidéo. Sur ce, comme je vous l'ai déjà dit, ça va être déjà la fin de cette vidéo parce que je dois faire une vidéo assez courte là. Donc si c'était Van 72, si vous avez kiffé l'épisode 3 de Cities Skyline, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ciao!